Ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est dégagé, une température extérieure à 13 degrés, une température de l'eau à un petit 17 degrés, une marée qui est en train de descendre. Le plein bas est à midi 25 avec des coefficients de 91. Sur ce descendant, on a le vent qui est faible, nord-nord-est, mais léger, moins d'un beaufort à un beaufort. Il va tourner dans pas longtemps, ça se sent. Le plan d'eau est un peu ridé, les phases de vagues sont lisses et on a cette petite houle courte de 5 secondes de période orientée nord-nord-ouest, une houle qui est multipique et qui est en atténuation par rapport à hier soir. Vous voyez les séries, il y a 30 à 40 cm sur les séries. Quand il n'y a pas les séries, ça tourne à la hauteur de 10 à 20 cm. Une houle fortement orientée nord-nord-ouest qui délivre de longues droites molles. Les gauches sont plus courtes et fermantes. En petite planche pour un adulte, c'est pas évident. Il faut sortir une planche adaptée ou les baobabs. Pour les petites crevettes, ce sont des conditions idéales. L'évolution pour le reste de la journée, un train de houle qui va très légèrement grossir à la mi-journée, mais rester inférieur à 50 cm, mais ça va changer. La houle va passer ouest-nord-ouest, devrait s'allonger. Et ça devrait être un peu plus gros en fin de journée. Indice de confiance faible pour la taille en fin de journée. Toujours est-il que les bouées n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. Arcachon est à 70 cm et 5 secondes stationnaire. À 13h, on attend moins de 50 cm, mais avec une houle qui devrait passer ouest-nord-ouest et s'allonger 9 secondes de période sur un vent de nord qui se lève dans les 2 à 3 beauforts, et à 17h, moins de 50 à peut-être 50 cm, indice de confiance faible, houle ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, 4-5 beauforts, à voir comment cela va-t-il évoluer. Prochain point à 11h30, merci.